Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le défi quotidien Turing une machine. Je regarde, normalement c'est pas flou. Non, c'est bon normalement. On va pouvoir commencer. Comme d'habitude, j'ai tout installé. Excusez-moi, je suis encore malade. Donc, par quoi on va commencer? On va faire 3-3. Et 1. On va tester 331. Hop. C'est parti. Allez, on va commencer par le A. Est-ce que le triangle est un 3? Non. C'est pas un 3. Donc, A, c'est faux. Ensuite, on va tester le D. Est-ce que la somme du triangle plus carré est égale à 6? Non plus. Ok. Et enfin, moi j'ai envie de savoir, est-ce qu'on a un double? Est-ce qu'on a un double? Non, il n'y a pas de double. Donc c'est soit triple, soit valeur unique. Et vu que... Non, ça pourrait être triple, on s'en fout. Alors, là, du coup, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre un 4. Je vais prendre un 5. Et je vais prendre un 2. Hop. 4, 5, 2. Donc, est-ce que le triangle est supérieur à 3? Non. Ok. Donc, c'est 1 ou 2. Hop là. Est-ce que... c'est 1 ou 2. Est-ce qu'on peut faire supérieur à 6? Non. Parce que au pire des cas, 6, 5 et 2, ça fait 7. Si je veux quand même le faire A, B, C, D. Est-ce que la somme est supérieure à 6? Non, on s'en doutait. Donc c'est pas supérieur. Hop. Mince. J'ai fait quoi? Attendez. J'avais fait ça aussi. Ça, c'était faux aussi. Donc. J'avais fait ça, j'ai fait ça. Donc c'est pas supérieur à 6. C'est inférieur à 6. Donc là, je pense que c'est pas le 5 de toute façon. Ok. Et ensuite, troisième question. On va. Il faudra que je fasse d'autres questions, c'est sûr. On va regarder A, B, C. Alors là, j'ai deux paires. C'est vrai, il y a deux paires. Ok, il y a deux paires. Donc ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est deux paires. Un paire. Il y a deux paires. Il y a exactement deux paires. Il peut y avoir des triples. Je remets des triples. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on va prendre? Moi, je vais tester s'il y a un 1. Parce qu'on sait qu'il y a un 2 et un 4. Donc, moi, je viserai bien 2. Je viserai bien 4. Et je viserai bien 1. Le 1,
je viserai bien 241. Alors, on va tester A, B. Est-ce qu'il y a un 1? Oups. Non, il n'y a pas de 1. Il n'y a pas de 1. Non, il n'y a pas. Pardon, il n'y a pas un 1. Il n'y a pas un 1. Vu qu'il y a deux paires, il n'y a pas 3 1. Il n'y a pas 2, 1, puisqu'il y a 2 paires. Donc il y a 0, 1. Donc les 1 déjà. Hop, hop, hop. Donc là on sait qu'il y a un 2. On sait que ça plus ça, c'est inférieur à 6. Mais ouais, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Non, 2, 4, c'est pas possible. Ça fait 6. Donc c'est-à-dire que le 4 il est là. Et que du coup là c'est un 3. Je pense que c'est ça. Donc là j'avais fait quoi? J'avais fait juste B. Qui me disait que c'était faux. Donc je crois que j'ai fait que cette question. Je suis allée un peu trop vite, je pense, mais je crois que j'ai fait que cette question. Attendez, on va juste vérifier. Donc ça, c'est bien inférieur à 3. Oui, c'est un 2. Il n'y a pas de 1. On est d'accord. Ensuite, il y a deux paires. Le 2 et le 4. Ça plus ça, c'est inférieur. Ouais, c'est 5. Et il n'y a pas de valeur en triple, comme je le pensais. Il n'y a que des valeurs uniques. Donc je dirais que c'est ça. On va tester. Je vais un peu vite, mais 2, 3, 4. Yes, on a trouvé. Donc, on a fait un 7, alors c'est pas terrible. Un faux, faux, faux. Ensuite, on a fait faux, faux, vrai, faux, je crois que c'est ça. Et enfin, ici, on a fait faux. Yes, on a battu la machine. Parce qu'on fait, je pense qu'on a fait comme elle, ouais. On a fait 7 questions dans les deux cas. Donc, c'est bon, on a trouvé. On n'a pas eu de chance au début parce qu'on a eu que des faux. Et du coup, on a dû poser plus de questions quand on n'a pas tout de suite le bon résultat, par exemple inférieur. Ou par exemple celui-ci. Forcément, on doit poser plus de questions. Donc, on trouve moins rapidement. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de jouer à Turing Machine. Et on se retrouve demain pour la suite du défi quotidien. Et ce soir, événement assez exceptionnel, gros opening d'un jeu Kickstarter qu'on vient de recevoir. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur la chaîne. Bye bye.